Eh bien bonjour les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cargo Transport Simulator. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Alors la dernière fois j'étais avec celui-là, mais en fait j'ai dû recommencer le jeu. Donc maintenant je me retrouve avec le Volvo F12. Oui, bon, je l'ai modifié un peu. J'ai mis des longues portées, enfin des pots d'échappement super grands, enfin tout quoi. J'ai juste monté un peu le son, mettre ça, et la sensibilité est à 96%. Ce niveau de braquage. Alors celle-là c'est l'épisode 2 de Cargo Transport Simulator, hein. Il n'y a pas de 36 solutions. Donc l'épisode 2, on va transporter des remorques. Voilà. On va transporter du bois. Donc qui est bien sympathique quand même. Ouais, on va transporter du bois. Alors oui, les amis, si ça plante un peu, c'est normal. Ah, putain de rétro. Bon, c'est pas grave. Je suis bien dedans ou pas? Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas ça le fait quand même. Donc là, on va transporter du bois dans un porte-bois, évidemment. On a 3 tonnes et... On va faire celui-là, on va aller à Berne. Alors, ce jeu n'est pas français, c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On va se mettre en vue intérieure. Voilà. Alors, je vais essayer de jouer RP, les amis. Que ce qui va pas être facile. Donc là, jusqu'à maintenant, ça va à peu près. Alors dites-moi dans les commentaires si je conduis mieux qu'avant, je conduis encore pire qu'avant. Tout simplement. Alors oui, ça lague un peu, c'est juste des petits bugs. Alors ce camion, il a 320 chevaux. Et pour transporter du gasoil, par exemple... il en chie un peu parce qu'il y a quand même 20 tonnes, 20, 22 tonnes. Il met 300 plombes déjà, même à 60, il roule, il a du mal. Vous voyez, là, il grimpe bien quand même. Ça va, il fait quand même du bon bruit. Alors, j'ai acheté un Renault, peut-être un Renault Premium de 2005, je crois, je sais plus. Ah, oui, là je roule peut-être un peu vite. Ouais, là je m'en doutais, j'étais arrivé au moins à plus de 100 km/h. Alors, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut mettre le limiteur de vitesse, donc c'est quand même assez cool. Hop, on braque pour pas se prendre le feu. Voilà. Là aussi, mais voilà. Au cas où, s'il est semé rouge. Voilà, on a mis limiteur.
à 107, enfin à peu près. Alors c'est quand même, il roule... Bon, c'est vrai qu'il... Oh, ça cogne, là. Voilà. Là, j'étais en boîte 9, donc démarrer en 9e, bah, ça le fait pas trop. C'est 50 ou 90? 90. Alors là, il vu que la ligne descend, je vais me laisser détendre. Voilà. Oh. C'est calme. Alors ce gamin est quand même excellent parce que bah elle a quand même de la patate hein. Bon c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sous. Je vais juste ralentir parce que là je suis quand même à 80 si mit à 50. Non on va plutôt prendre du gasoil. Enfin de l'essence ou je sais pas quoi. Voilà. Alors voilà, 103 euros. Toute façon, là, il n'y a personne. Alors depuis personne, là, depuis tout à l'heure, il n'y a plus personne, il n'y a pas de gens, il n'y a rien. Peut-être 30 heures, ralentir un peu. Non, c'est bon. Alors c'est vrai que les lags ça c'est chiant un peu. C'est vrai que c'est quand même chiant. On peut faire 1000 km mais je pense que j'en ferai peut-être plus tard. Hein. Parce que 1000 km ça représente beaucoup quand même. Donc re les amis. Ouais j'ai dû m'arrêter parce que j'avais un petit problème de remorque. Bah, j'ai dû recharger le jeu parce qu'il y a eu un petit bug. C'est pour ça que j'ai fait une petite coupure parce que c'est pas la peine de. Voilà. Bon, bref, vous comprenez le principe du jeu. Hein. Alors, c'est une remorque par épisode. Bon, je crois qu'il y en a au moins une dizaine, donc je ferai au moins 10 épisodes dessus. Enfin, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était une vidéo un peu présentation du truc. Donc voilà, c'est pas mal, c'est assez bien. Bon, on va aller se garer. C'est vrai qu'il jette quand même hein, ce camion. Pour moi, il pollue. Hein. Alors, les amis, là, ce que je vais faire, je vais changer d'endroit. Mais là, il n'y a rien. Au pire, je mettais à la station.
C'est vrai que je prends toute la route, mais voilà, j'ai pas trop le temps. En fait, je me prépare pour un autre épisode ou pas, au cas où si j'en fais un autre. Parce qu'au même endroit. Alors oui, je conduis comme un con. Vous avez le droit de le dire. Mais si jusqu'à là, j'ai pas le temps. C'est vrai qu'il grimpe bien. Bon, c'est qu'un jeu, mais bon. Putain, 110. Une fois, j'ai fait du 100, 150 avec. Bah oui, là je roule un peu bizarrement. Là je respecte pas les limites et tout. Et c'est juste que là j'ai pas le temps en fait, donc je dois me grouiller vite fait. Putain, mais braque! Un petit accident, hein, voilà. Ah, pense que nous, c'est que le camion se détruit pas. C'est ça qui est dommage. Mais bon, après, hein. Alors, elle est où la remorque? Alors. Voilà. Oh, pile à côté le poteau. Là, bon, là, c'est pas fait exprès. Hein. Donc là, on va aller au garage hein, pour. Bah, pour. Voilà. Re les amis, là, j'avais une petite pub, donc faut pas la regarder non plus. Alors, en tout, avec ce camion, j'ai fait 7 818 euros. Et là, je vais juste changer la peinture. Je vais la mettre en bleu, mais en bleu pâle. Non. Non. Non, au pire, je vais laisser en blanc. Parce que, en fait, là, je dois économiser l'argent et tout. Pour m'acheter le Renault Premium. Qui coûte 11 000 euros, donc voilà. Donc c'est ce Renault Premium là qui est quand même assez cool. Bah qui est même bien. Ou il y a soit celui-là, mais lui j'aime pas trop. Le Magnum. Ou soit le DAF. Mais le DAF, non. Alors j'avais acheté ce camion là une fois, il y a très longtemps. Et ça va, il roule quand même pas mal. Enfin, pas celui-là, mais l'autre. Alors, par contre, celui-là, je l'achèterai pas parce qu'il est moche. Je l'aime pas du tout. Ou soit je m'appelle. Ou soit je j'achète un. Un Peterbilt. Un Peterbilt XS. Donc, un camion américain. Un bon camion. Un bon gros camion américain. Bon bref. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like ou un petit j'aime. Ça me fera très plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu peux partager, commenter la vidéo. Et bref, au revoir les amis.